Salut YouTube! Pagre. Le pagre. Vous connaissez le pagre? Eh bien, si vous voulez voir des pagres, si vous voulez assister à une journée de pêche au pagre, vous êtes sur la bonne vidéo, les enfants. Et oui, parce que Ganguis Pêcheur a amené son ami Serge. Voilà, hop là. J'ai amené mon ami Serge pour une pêche hauturière au Madaille. Et aujourd'hui, ça a vraiment bien marché. On fait deux poissons, gros poissons au bateau, et 4-5 touches de très gros pagres qu'on a tenu. Tout est filmé. Je vous souhaite une belle vidéo. On a fait donc ces deux jolis pagres avec mon ami Serge. Serge qui est derrière la caméra, donc vous ne le voyez pas. Donc celui-là, le gros, je vais vous montrer comment on fait les filets. Et celui-là, il est suffisamment petit pour qu'il puisse aller au four dans un plat entier. Voilà. Et ça, pas grand comme ça, c'est à peu près pour 6 personnes. Voilà. Je vais vous faire les filets de ce monstre. Donc malheureusement, j'ai pas la balance. Donc on sait pas combien il fait. C'est l'inconnu. Donc on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'il nous a donné un beau combat et des belles sensations. J'ai un poisson qui m'a pris sur la remontée là. Je sais pas ce que c'est. Alors ça ne donne pas de coup de tête, mais c'est assez gros quand même. Mais pas de coup de tête. Donc c'est ni un pagre. Ah ouais, je sais pas. Alors peut-être que c'est un saran, un gros saran. Hein. Ouais, c'est marrant. Ouais, c'est vrai. Donc là, dans 104 mètres, tu vois, c'est à la remontée. On était dans 106 tout à l'heure, on est à 104 maintenant. Alors, faut remonter, hein. Faut remonter. Bon, c'est pas un monstre, hein. Ouais, même la mossesse, je pense que c'est soit petit chapon, ou soit un saran. Oh non, ni l'un ni l'autre. Un merlu. Ah ouais, mais tu peux. Un merlu, j'avais jamais fait ça ici. Un merlu, tu peux manger dans ça. Ah oui, un petit merlu. Tu vois, c'est un poisson nouveau, Serge. Tu vois, c'est un nouveau poisson qu'on n'avait jamais fait ici. Bon, il est pas bien gros, mais avec la remontée, on va le garder quand même. Hein. Allez. Coup de tête. Bon, c'est peut-être pas un monstre, mais c'est un pagre. Alors. YouTube, vous voulez que je vous dise? Mais c'est pas possible. Je vais vous dire exactement comment ça s'est passé, la vérité. Parce que je le mérite qu'à moitié, celui-là. Je badais et tout d'un coup, pas. Je pose ma canne. J'avais décollé mon madaille à 1 mètre du fond. Je pose ma canne pour nettoyer mes lunettes.
Je reprends ma canne. Contact. J'ai du cul, c'est pas possible. Bon, je, c'est pas un monstre, hein, mais il y a coup de tête, quoi. Il y a coup de tête, c'est un poisson, c'est un poisson. C'est pas un saran. Je le vois. Ouais, c'est ça, c'est une merde. C'est, merde. C'est un petit pajot, mais qui est mangeable, tu vois. Voilà. C'est ça, non, ça, non. Non, ah, c'est un pajot, ça. Pajot. Voilà, ouais, un petit pajot. C'est mangeable, c'est un poisson. C'est un petit portion, poisson. Portion, voilà, un petit regarder. Poisson portion. Voilà. Regardez, donc, la vérité, le madaille décollé à 1 mètre du fond posé. Voilà, ça, il s'est pris tout seul. Oh là là. Oh, je me suis fait prendre, dis donc, mais un truc de malade. C'est gros, c'est gros, c'est gros, Serge. C'est big là. Oh putain. Il faut pas qu'il aille dans les cailloux. Il va aller dans les cailloux. Il faut que je le bride un peu. Il faut que je décolle, il faut que je décolle absolument. Il faut que je décolle absolument. Oh putain. Oh, ce combat qui me fait un truc de malade. Non, non, mais il me reprend du fil à chaque fois. Il faut que je le décolle. J'ai eu très peur parce que il m'a pris du fil, mais un truc de fou, j'en tremble. J'en tremble, j'en tremble, j'en tremble. Oh, c'est bon, il me prend plus de fil. C'est bon. Là, la GoPro, ça filme. Celle-ci ? Oui, oui. Non, non, mais voilà. Voilà, c'est bien, Serge. Merci, mon chéri. Voilà. Voilà. Mets-toi de l'autre côté. Mets-toi là, si tu veux venir voir. Non, non, mais je peux voir. Je peux changer mon... Je vais mettre... Bon, là, j'ai un gros pagre. Là, c'est sûr, j'ai un gros pagre. La journée est gagnée, mais je suis trop content. Mais il faut que je remonte maintenant. Ouais. Oh putain, ça fait trois fois que je viens, trois fois que j'ai rien. Bon, mais mes pêcheurs font des poissons, mais moi non. Et là, je suis trop fier d'avoir touché ce magnifique poisson. YouTube ! Mais c'est pas possible, je suis trop content ! Et puis là, je l'ai bien décollé du fond. Il est à 40 mètres là. C'est gros. C'est gros. Ça donne des coups de tête, ça se bat. Je crois que c'est le plus gros pack que j'ai jamais fait. Oh, sur ces cannes, mais c'est un vrai bonheur ces cannes. Il est là. L'épuisette, Serge, l'épuisette. Elle est dans la cabine. Dans la cabine. Waouh. On attend l'épuisette, on attend l'épuisette. Waouh. Plus, plus, plus. Plus. 2 kg 100. Ah non, mais ça fait... Eh non, c'est 2 kg ça. C'est mon pagre. Putain, c'est mon pagre. C'est pas grave. Voilà. Un joli pagre. Allez. Voilà, j'y mets. Bon, je voulais un gros pack pour manger avec ma femme. Il est là.
Donc on lui tue le cerveau, ça c'est fait. Voilà. Voilà. Oh, putain. Oui. Oui mon kiki, oui, je t'ai qui j'aime là. Oui, ça c'est formidable ça. Parfait les kijés, mais j'ai parfaitement trouvé la ligne d'arrêt là. Je suis trop content. Je sens que ça gratouille contre les arêtes. Voilà, il va être très très bon ce pack. On va lui faire honneur. On va te faire honneur mon chéri. Vraiment, on va te faire honneur. On va se régaler. Là, on va se régaler avec toi. J'ai l'impression qu'il est vraiment très petit. Alors, je te saigne. Ça te convient toi quand même ça, ça poisson, un énorme poisson. J'ai un énorme poisson. C'est encore la fractante, Samy. J'ai un énorme poisson, les enfants. Un énorme. Il m'a fait un stop de le... Oh, cassé. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. J'avais un très gros poisson. Un plus gros tout à l'heure encore. Mais ça arrive, ça. C'est le genre de truc qui arrive à tous les coups. Dégoûté. Bon, j'ai un petit pagre. Ouais, c'est un pagre. C'est un pagre de taille moyenne. Ouais, c'est un pagre. Un pagre ou un pageot. Ah ouais, écoutez, c'est voilà, c'est un sport idéal, c'est sûr. Enfin, rien à voir avec la bête qui m'a cassé tout à l'heure. Allons, on monte. 104 mètres. On a pris ce poisson à 104 mètres de profondeur. Avec un magaille de 80 grammes. Donc la tête du médaille, 80 grammes, et les petites jupes. Voilà, je le vois. C'est un pageot, voilà, c'est un pageot. C'est un petit pageot. Alors, il n'est pas énorme, mais je ne vais pas le remettre à l'eau parce que il est monté d'une centaine de mètres. À mon avis, il va pas repartir. Bon, la technique du madaille, hein, enfin, je vais vous le redire, vous le réexpliquer. Donc là, on est sans moteur électrique parce qu'il est en panne. Il me met erreur moteur, je sais pas ce qui se passe. Donc on est en dérive, il n'y a pas de courant et il y a très peu de dérive. Donc on est presque à la verticale. Donc on a 110 mètres, entre 100 et 110 mètres d'eau. Donc j'ai mis un plomb de 80 grammes, un madaille de 80 grammes pour essayer d'être le plus léger possible. Et la technique, donc on touche le fond, ok, et on remonte, regardez, tout doucement comme ça, tout doucement on remonte entre 3 et 10 tours de manivelle, ok. Donc là j'ai pas compté, ou alors les couleurs, moi je pêche avec du fil de couleur, à peu près une couleur, hein, ça fait 10 mètres à peu près. Ok, donc je donne un petit coup comme ça et je laisse redescendre. Et dans la descente, je contrôle en effleurant avec mon pouce pour, au cas où le poisson prenne à la descente, que je le sente. Voilà. Ça donne des coups de tête aussi. Serge. Oui, vas-y. Alors ? Bah peut-être que j'ai peut-être un pagre. Ah oui, t'as un pagre là, mon kiki. Peut-être. Décolle-le bien, c'est bon. Oui, il est décollé. Fais gaffe, t'es en 35 centièmes, hein, Serge. Il est décollé depuis longtemps. T'es en 35, hein, t'es en 35, attention. Oui, oui, oui. Je donne des coups de tête toujours. Allez, prends-moi des photos là. Allez, je te filme. Je te filme, Serge. Voilà, allez, tu filmes, c'est bien. Allez. Bon, t'es content? Bon, t'étais quand même un petit peu inquiet, hein? Mais ta caméra, il... Fais-moi confiance, Serge. T'es inquiet, oui. Tu vois? Fais-moi confiance. Donc, t'étais inquiet de... Parce que je fais quoi? 5-6 poissons et toi, t'avais pas fait un? J'ai fait 4 poissons. Mais tu t'étais réservé pour le beau, en fait. Je sais pas. C'est un moyen de main, quoi. 2 kilos, 3 kilos. Comme toi. Voilà, attends, je vais noter le point GPS quand même. Ouais, là, c'est le point GPS. Oh merde, il a lâché. Oh putain. Ah ben qu'est-ce que tu veux, ça arrive, hein, ça arrive. Hein, comme moi.
Il a lâché et je pense que j'ai encore les leurres au bout. Mais... Oh putain, Serge. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, mais on va avoir du mal à se consoler parce qu'on a raté deux poissons. Chacun un bon poisson. Et tu vas voir. Là, j'ai plus rien au bout. J'ai cassé de toute façon. J'ai cassé. 35 centièmes, c'est pas assez gros. Ouais. 35, c'est pas assez gros. Il va falloir modifier tout ça, Serge. Ouais, on va modifier tout ça. Mais c'est... Il va falloir mettre du au moins 40 centièmes. Là, tu vois, et regarde. Ouais. Allez, on est dégoûté. Mais t'es pas bredouille! Montre-moi ce poisson, mon Serge. Je suis pas bredouille. Mais j'ai... oui! Un sassa. Un saran dégoûtant. Zut alors. Bon, vous avez vu cette vidéo encore que je vous ai fait là? YouTube, vous avez encore vu cette vidéo de déglingo avec ces poissons magnifiques? Exceptionnel, non? Est-ce que vous êtes toujours content là dans votre salon? À mon avis, quand je vais sortir cette vidéo, ça va être l'hiver. Donc vous allez pouvoir vous détendre et regarder les aventures de Ganguis Pêcheur et ses amis. Parce que Serge, c'est Docteur Serge, c'est mon grand ami Serge. Voilà. Allez, on va continuer un peu, hein, Serge. Allez, pose-toi. Oh putain, je l'ai pas eu. Il s'est décroché. Je l'ai décroché. Un gros pagar, c'est un gros. Allez, je redescends, je filme. Oh putain, une très belle touche, mais très lourde. Très très lourd. T'as perdu ? C'est difficile à dire, mais c'était un gros poisson, c'était très gros poisson. C'était dans la remontée et à blocage. Arrêt. Serge, allume la GoPro et présente-la moi. Un appui long, voilà. Waouh. Donc, je viens de rater un poisson il y a à peu près 10 mètres. On a vu un banc au sondeur. Serge, appuie sur le drapeau sur l'éco-sondeur. Sur le drapeau, l'éco-sondeur. Le drapeau. Voilà. Ok, et enregistré. Non, enregistré là. Sauvegardé, pardon. Putain, c'est sauvegardé. Je me suis trompé. Waouh, j'ai un poisson là, j'ai un beau poisson là. Oh putain. Il se bat. Doucement, Steph, doucement, va pas casser. Tu l'as décollé quand même. Tu l'as décollé là, mon kiki. Va pas le casser ce pagra. Va pas le casser. Oh putain, il se bat. Oh, c'est le bonheur, mais c'est pas possible. J'ai toujours peur qu'il me foute dans les rochers. C'est pour ça que j'essaie de le décoller au maximum. Oh la pêche au pagre, mais c'est ma pêche préférée, il n'y a pas photo. C'est bon, il décolle. C'est bon, je lui ai mis 10 mètres, c'est bon. Maintenant, il faut gérer la remontée. Je l'ai décollé de 10 mètres là. Waouh. Non, ça va, mais ça, j'ai le bras en compote. Mais c'est pas... Attends, quand même. Oh, c'est un poisson de 3 kg, 4 kg, ça va aller quand même. Mais il m'a mis une pression.
YouTube, je suis super heureux. Je pêche les pagres au madaï avec mon ami Serge. Je pense qu'il est plus gros que celui de le premier. Hein. Ah ouais, ouais. Oh, je lui mets la pression. Hein. Oh la canne. Oh cette canne, qu'est-ce qu'elle travaille bien. Ah, il donne plus de coups de tête là. Qu'est-ce que j'ai peur de le perdre. Il me fait des trucs bizarres dans le fil. Il est énorme, il est énorme, il est énorme. La puisette, il est énorme, il est énorme. L'épuisette, elle est là. Serge, vite. Ouais, non, il faut. Ah, il est énorme. Oh. Là. Allez. Attends. Mets-le de l'autre côté. Il est pas énorme. Si, il est pas énorme. Il est gros, mais il est plus gros que ça. Il est pas. C'est devant la caméra. Il est pas de 10 aussi, non. Allez, tu vas le porter. Le prendre. Oui, Serge. Serge, il dit le pauvre, c'est normal. Il fait 5-6 kilos, mais non, c'est normal. 5-6 kilos, il fait 3-4. Non, il fait pas 3-4 kilos ce poisson. Mais Serge, il est gros comme une carpe. Ah, par contre. Alors, je te l'allume. Ouais, vas-y, allume le. Je vais démettre. Allez, vas-y. Alors, mets-toi là, au soleil. Oh, soleil. Alors, là. T'as tes doigts qui sont presque sur l'objectif. Voilà. Ouais, mais. N'hésite pas à peur de zoomer, hein. Attends. Laisse-moi prendre d'en haut et d'en bas. Allez, exécute-le. Fais-lui son. Ouais. Je sais pas comment. Ça, c'est bon. Ikijimi. Allez. Fais-lui son Ikijimi. Attends. Alors maintenant. Caméra, hein. YouTube, regardez-moi ce pagre. Ce pagre. Mais c'est un truc de malade. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Le jour du pagre est arrivé. Alors, je casse le même. Et Serge aussi peut-être, mon ami Serge. Je suis tétanisé, je sais plus quoi dire. Je suis trop content. Fais-lui un truc là. Allez, je vais lui faire Ikijimi. Donc on va Ikijimi ce poisson. Cet énorme poisson. Ikijimi un petit peu, il va comme ça. Mais bon, il y a plus. Peut-être c'était plus gros tout à l'heure encore. Tu te l'as ramené. Ah ouais, c'était lourd, c'était un. Mais je te jure, Serge, j'avais un tracteur au bout. Ça y est, je l'ai dans l'arête. Regardez la réaction. Regarde comment elle réagit. Ouais. Tu vois comment elle réagit là. Regarde là, je l'ai bien trouvé. Ouais. Waouh. Voilà, ça c'est beau ça. Regardez à chaque coup d'aiguille comment elle réagit.
Et maintenant, on va le saigner proprement. Ok, là. Voilà, et on va le mettre à dégorger dans l'eau. Voilà. Oh, ce poisson! Ce poisson! Ce poisson! Oh, 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 oh. On l'aura fait. Il y a, c'est lourd, il n'y a pas de coup de tête. Ah. Et c'est lourd, c'est lourd. Et il n'y a pas de coup de tête. Nostel, alors. Ça, c'est un chapon. Le chapon. Et c'est gros. Il n'y a pas de coup de tête. YouTube, Fichon. C'est lourd. C'est gros. Il n'y a pas de coup de tête. Moi, je dis chapeau. Ou mostel, mais non, chapeau. Ça, c'est chapeau. Ça, j'espère que c'est un bon chapon, parce que j'adore manger le chapon. Alors, dans le chapon, les enfants, dans le chapon, le meilleur, c'est la tête. Chapon, un gros chapon. 30 minutes au four, 180 degrés. Le pauvre, je ne l'ai pas sorti. Que déjà j'ai la recette. Et moi c'est pas un chapon que j'ai. Là je te file. Ça, oh putain. Il est venu là en dessous du bateau. Regardez mon chapon au four. Il est beau mon chapon au four. Hein. Je vais me régaler. Hein. J'ai intérêt d'avoir des bonnes dents. Ouh. Allez, le chapeau il fait partie du. Allez, viens moi enchérir. Il fait partie du personnage. Salut YouTube, alors c'est la fin de cette vidéo. Bon, j'espère que vous avez vu les gros poissons qu'on a fait hein, avec mon pote Serge. Donc Serge, il en a tenu un beau et malheureusement il a cassé. Moi j'en sors deux, j'en tiens un très très gros qui me casse aussi. On s'est régalé, la mer était superbe. Stéphane en a rapporté un autre encore, hein, qui était plein de coquillages. Ah oui, ouais, vous avez vu le coquillage, en fait j'ai cru à un chapon. Et finalement, c'était un paquet d'huîtres de coquillages. Voilà, je me suis fait avoir. Voilà les enfants, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Le petit pouce pour remercier de mon travail. Parce qu'en fait, faire un travail de montage, de tournage, c'est assez prenant. Et ma récompense, c'est juste le pouce. Voilà. Et après, si vous avez aimé mon style, et si vous voulez voir d'autres vidéos, eh bien abonnez-vous. Voilà, vous vous abonnez et c'est bien cool. Je relance aussi le message. J'ai une chaîne Facebook, un groupe Facebook, Les Amis du Ganguis Pêcheur. Je mettrai le lien en dessous. Les Amis du Ganguis Pêcheur, où je mets un peu l'actualité. Et surtout, vous pouvez aussi poster vos photos de pêche et vos récits de pêche. Voilà, les infos, etc. Les bons plans de pêche. Voilà, on essaye de rester pêche méditerranée. Mais j'accepte tout. Moi, je suis pas trop chiant. Voilà les enfants, allez, à très bientôt et à très bientôt. Salut. Je vais vous faire les filets de ce monstre. Donc malheureusement, j'ai pas la balance. J'ai pas la balance, donc on sait pas combien il fait. On sait pas combien il fait, c'est l'inconnu. Donc on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'il nous a donné un beau combat et des belles sensations. Alors pour commencer, je vais commencer à le gratter, à l'écailler. Spécial pour écailler. Mais bon, vous avez vu qu'un couteau ça se fait aussi. Ok. Poisson écaillé recto verso. Maintenant, on fait les filets. Alors, pour faire les filets. Je coupe le long de la tête. Je sais pas si bien. Le poisson il est coriace.
regarde ça. On s'arrête, hein, tout simplement. Donc on va jusqu'au milieu de l'arête. Ok, et après, on prend, on glisse de l'autre côté. Il reste pas grand chose sur la bête. Hein. Voilà. Donc Serge, j'ai le plaisir de t'offrir la moitié de mon poisson. C'est pour gentil. La pêcher en sorbe. Merci, c'est gentil. Hein, là, tu fais 3-4 portions avec ta femme. Regardez-moi ça, comme il va se régaler, Serge. D'accord, mets dans un coin, je vais... Voilà. La pêche aussi, une histoire de partage. De partage du poisson, parce qu'on mange le poisson. Il y a des youtubeurs qui cachent un peu le fait qu'ils tuent le poisson, ils le mettent pas sur les vidéos et tout. Moi j'assume complètement, mais alors complètement, hein, le fait de prélever quelques poissons. Voilà, aujourd'hui on a prélevé 2 poissons, c'est tout à fait correct, on partage, c'est bon, le poisson c'est bon. Voilà YouTube, c'était le Happy Hour, et avec le côté pratique de préparer aussi son poisson.